Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce Wolfou, Pando et Kat? Les grosses têtes sont si amusantes. Wow, Madame Dor a un magnifique collier. Que va faire Pelli? Oh, Pelli veut prendre la météorite de Wolfou. Que faites-vous? Quelle surprise! Pouvons-nous boire ensemble? S'il vous plaît! Pas d'amende. Ils ont volontairement mis leur tête dans le piège de Pelli. C'est délicieux. Mais Pelli doit aussi boire. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, car la seule tête de Wolfou a grossi. Oui! Je pensais que ce serait effrayant, mais c'est devenu très amusant. Bonjour, Madame Dor! Cependant, les enfants font peur à tout le monde. Nous devons atterrir. Oui, c'est vrai. Wolfou est vraiment intelligent. Oh non! Un grand combat. Maman est fâchée contre papa depuis ce matin. Que s'est-il passé dans la maison du loup? Oh non! Tu as gâché mon projet pour la foire! Je suis désolé, nous pouvons le refaire. Nous sommes à court de fleurs. Pourquoi est-ce que toi et Lucie, vous ne nous aideriez pas pour faire un château de chevalier? Non, non, maman m'a promis de m'aider pour le concours. Très beau. Aïe, une fois de plus, Papa Wolf a accidentellement ruiné le projet de Lucie. Papa! Je ne le pensais pas. Nous devons aller à la foire maintenant. Wow.
Ah ah, Papa Wolf et Wolfou décident de redécorer le château de Lucie. Mais, oh non! Tu l'as fait exprès! Je ne veux pas gagner. Je veux juste que maman et papa s'entendent bien à nouveau. Maman, s'il te plaît, arrête de te fâcher contre papa. Je ne suis pas fâchée. Je suis juste triste parce que je n'ai pas réussi à tenir ma promesse envers Lucie. Wow, Papa Wolf a une autre idée. Attendons-le avec impatience, les gars. Conseil de sécurité pour les balcons. Oh, regardez. Aujourd'hui, Wolfou et Lucie ont été emmenés par Papa Wolf pour manger au restaurant de Monsieur Pan. Veuillez monter les escaliers. Oh, est-ce que tu peux prendre une photo pour nous, s'il te plaît? Oh non, Lucie va escalader la balustrade. Stop! Ne savez-vous pas que c'est dangereux? Il s'avère que Lucie pourrait tomber. Je ne grimperai plus jamais sur le balcon. Je vais chercher l'addition. Attendez ici. Salut. Que doit faire Wolfou maintenant? Hé, Piggy! T'as oublié ça? Lance-le-moi! Oh non, Wolfou a déjà cassé une plante en pot. Le fait de jeter des objets depuis le balcon peut être dangereux pour d'autres personnes. Je suis vraiment désolée. Savez-vous maintenant ce qu'il ne faut pas faire à un balcon? Ne pas grimper sur le balcon et de ne rien lancer non plus. Apprendre les formes avec le jeu de la coccinelle. Oh, c'est le monstre. Il n'est pas facile de le vaincre. Charme magique. Kat et Wolfou se sont perdus dans une pièce inconnue.
Pour vaincre le monstre, utilisez la trompette d'or cachée derrière la porte ronde. Mais où se trouve la porte circulaire? Cercle. Je suis désolée, je sais pas quelle porte est ronde. Alors, apprenons les formes avec Wolfou. Ça, c'est un carré. C'est un triangle. Oui. Ça, c'est définitivement un cercle. Regarde. Maintenant, allons vaincre le monstre. En dos. Papa m'a appris les formes à travers un jeu comme ça. Je veux étudier comme ça aussi. Ok. Pour toi. Génial. Qu'est-il arrivé aux parents de Wolfou? Échange de corps entre parents. Papa! Attends un peu. Laisse juste maman le faire. Maman est déjà fatiguée avec son travail. Bonjour. Mais papa est fatigué aussi. Maman travaille plus dur. Papa travaille plus dur. Comment les deux enfants vont-ils découvrir qui est la personne la plus dure? C'est la machine à échanger les corps. Est-ce que tu peux échanger les endroits pour savoir lequel des deux est le plus occupé? Les parents vont donc échanger leur position pour voir lequel d'entre eux a la tâche la plus difficile. Essayons de faire le dîner. Ta-da! Non, non! On dirait que le travail de maman n'est vraiment pas facile. Maman? Je crois que la machine à laver est cassée. Ce que papa doit faire a l'air d'être dur. On dirait que la famille Wolf a eu une journée très difficile. Maintenant, je sais à quel point maman est occupée. Papa est occupé aussi.
Les gars, nous sommes tous occupés à notre manière. Alors nous devons partager les tâches. Pas de peau dans le bus. Est-ce que tu es allé faire pipi quand tu t'es réveillé, Wolfou? Pas encore, maman. Alors fais-le avant de monter dans le bus. Oui. Wolfou se souviendra-t-il de faire ce que maman Wolf lui a dit? Au revoir. Au revoir. Oh non, Wolfou semble avoir oublié les toilettes. Qu'est-ce qui ne va pas, Wolfou? Dépêche-toi. Oui, monsieur Zèbre. Voyons ensuite ce qu'il advient de Wolfou. T'as fini? J'ai fini. Super. Regardez mon nouvel outil magique. Oh non, Wolfou va faire pipi dans son pantalon. Allez, Buffo! Feed, Buffo! J'irai faire pipi avant de monter dans le bus la prochaine fois. Vous pouvez me le dire si vous le souhaitez. Le tenir n'est pas bon du tout. Ne pas jeter de jouets dans la cuvette. Oh non, seul Wolfou a obtenu un F. Montre-nous ton contrôle. Wolfou? Ah, le test de Wolfou. Tu as fini, Wolfou? Presque. Et c'est ainsi que le test de Wolfou a suivi le mouvement. Oh non, ce n'est pas une poubelle, Wolfou. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas bon. Que doit faire Wolfou?
Où est ma petite voiture? Il va me lancer ce truc. C'est parce que je veux pas que Buffo la trouve. Trouver quoi? Il ne faut rien jeter là-dedans. Sinon, ça peut boucher les toilettes. C'est vrai, mes petits amis. Je suis désolée, je recommencerai pas. Wolfou ou Kat? Tu as ruiné mon livre. Venez voir ma nouvelle invention. Pouvez-vous deviner quelle est l'invention du Dr. Kat aujourd'hui? Regardez. Il s'avère qu'il s'agit d'un interrupteur corps. Oh. Oh. Bonjour. C'est trop cool, Wolfou. Qu'arrivera-t-il à Wolfou et Kat? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Sortons avec notre nouvelle apparence. Je peux me joindre à vous? Qui es-tu? Je suis Wolfou. Non, je n'ai pas envie de jouer au foot maintenant. Ils ont refusé de céder l'un à l'autre. Tu es trop bizarre. On te laisse plus jouer. Je veux retrouver mon corps. Si Wolfou et Kat jouaient ensemble en harmonie, il n'y aurait pas de conflit de ce genre. Si vous vous étiez bien entendu, ça ne serait jamais arrivé. Arrêtons de nous battre. Ne vous moquez pas de Wolfou. Ah,
Qu'est-ce qui les rend si heureux? Ah, Wolfou est trop rigolo. Pas du tout. Hein? C'est mignon, Wolfou. Hein? Ah! Arrêtez! Je ne veux plus jouer avec toi. Et... L'attitude de Wolfou a mis son ami en colère. Cette idée de Wolfou est-elle vraie? Oh, Wolfou pense que son ami ne veut plus jouer avec lui comme lorsqu'ils étaient enfants. Mes amis ne veulent plus jouer avec moi. Ce n'est pas ça, Wolfou. Il s'avère que Wolfou a mal compris l'image qu'il a vue dans l'album photo. Je les ai mis en colère. Tu veux rentrer et leur dire que tu es désolée? Je suis désolée d'avoir ruiné votre album. Très bien, on s'est moqué de toi aussi. Faisons la paix, d'accord? Chérissons toujours nos amitiés. Oh non, que se passe-t-il derrière le mur? Le voleur dans le mur. Je dois finir mon projet Lego. Alien vient de me montrer son nouveau gadget. Je ne veux plus jouer avec eux. Oh non, ils ont oublié de fermer soigneusement la porte. Bientôt, le voleur entre dans la maison et y trouve une grande cachette. Lucie! De quoi s'agit-il? Lucie est fâchée parce que nous n'avons pas passé de temps avec elle. J'ai acheté de la pizza. Viens manger, Lucie. Je ne veux pas manger. Je vais laisser ta pizza dehors.
Le voleur rhinocéros a donc mangé toute la nourriture que Wolfou a préparée pour Lucie. Que va-t-il se passer ensuite? Tu as dit que tu m'avais donné de la nourriture? Heureusement, la famille Wolf n'a pas été mise en danger. N'oubliez pas de bien fermer la porte à partir de maintenant, d'accord? C'est ma faute si le voleur s'est introduit dans notre maison. Vous souvenez-vous des conseils du policier Bu? Wolfou ou Lucie gagnera-t-il cette course? Lucie, ce n'est pas encore fini. Vous pouvez y jouer. Oui. 3, 2, 1, partez. Prends-le, Lucie. Oh non! Que va faire Lucie avec le pistolet à retardement de Wolfou? Tu es mauvais à ce jeu. Je vais gagner ce jeu à coup sûr. Mais ce n'est pas fini. Il ne pourra rien faire. Lucie est trop arrogante. Je gagnerai de toute façon, profitant tranquillement du jeu. Oh non! Eh bien, voyons comment Wolfou va renverser la situation. Lucie, il n'est pas bon de regarder les autres de haut. Oui. Les enfants, rappelez-vous les conseils de Papa Wolf. Ouah, des glaces Pokémon, comme c'est mignon. Glaces Pokémon. 1, 2, 3. On parie ses Pokéball dans un combat de Pokémon? Jeu en cours. Eh bien, voyons voir qui aura toutes les boules de Pokémon. Oh, Nancy a gagné facilement.
Donne-nous tes Pokéballs. Tu le veux? Oh non, ils se sont mis en colère et se sont battus entre eux. Si les deux se soumettaient l'un à l'autre, il n'y aurait pas de telles conséquences. Nous sommes désolés, cela ne se reproduira plus jamais. Restez en harmonie tout en vous amusant avec vos amis, les enfants. Des tricheurs partout. Eh bien, il s'avère que les enfants participent à un concours de mode. Voyons voir les modèles uniques. Démarrage. Fabriquons cette tenue. Je vais nous trouver du matériel. Nous gagnerons si nous réussissons. Je sais ce qu'il faut faire. Faites-moi confiance. Cela fera l'affaire. À votre avis, les actions de Lucie et de l'équipe Piggy sont-elles bonnes ou mauvaises dans le cadre d'une compétition? Oh non! Casper? C'est presque l'heure du spectacle et nos costumes sont ruinés! On peut faire quelque chose avec ça. Voyons voir comment les idées des sœurs Kat et des autres équipes ont été présentées lors du concours. Oh! Pourquoi porte-t-il ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelles sont les conséquences de la tricherie de Lucie? Prochainement, Wolfou! Ensuite, Piggy et Nancy. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as copié le travail de Kat, alors j'ai copié le tien. Lucie, tu as triché? L'heure des résultats. Félicitations, vous êtes les gagnantes. Ils ont gagné parce que leur tenue se distinguait le plus, oui. La victoire revient toujours à ceux qui la méritent, n'est-ce pas? Quels sont les méfaits de Piggy et Buffo à la piscine? Les enfants ne sont pas admis. Voyons quelle est la leçon d'aujourd'hui à la piscine. Oh non, Wolfou, occupé à jouer, n'a pas eu le temps de mettre le flotteur sur son bras. Qu'est-ce que c'est? Que comptait faire Wolfou pour récupérer le jouet au fond de la piscine des adultes?
Non! Oh, vous voyez ça? Nous devons nager dans une piscine adaptée à l'âge des enfants, conformément au règlement. Si Wolfou saute dans la piscine pour adultes, les conséquences seront désastreuses. Ne pas aller à la piscine pour adultes. Retourne auprès de l'enfant Polo. Je vais chercher le jouet pour toi. Pouvez-vous deviner la signification de ce signe? L'imagination et la réalité de Wolfou sont-elles identiques? Allez! Saute! 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 Le bassin pour enfants est très peu profond. Si vous plongez la tête la première, vous risquez de vous faire mal à la tête. Avez-vous compris ce qu'a dit le père de Wolfou? Sauter à l'envers dans une piscine pour enfants est tabou. Allons manger une glace. Lorsque vous allez à la piscine, n'oubliez pas de faire attention à tous vos gestes. Oh, Madame Mo, que s'est-il passé? Ah! À l'aide! Au secours! La maman enceinte s'est perdue. D'accord, voyons voir. Quel est le fond de l'histoire? L'infirmière Do et Madame Mo ont été emportées par Wolfou et Molly. Maman! Madame Mo est enceinte. Mais non, Madame Mo a été entraînée dans l'autre sens. Il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. Mais la maman de Molly est toujours bloquée. Oui! Que va faire Wolfou maintenant? Wouah! Voyons si Wolfou peut sauver la maman de Molly avec cette armure. Il s'avère que la ceinture a encore un bouton au dos. Wow. Wolfou est cool, n'est-ce pas? Le danger n'est pas encore écarté. Heureusement, tout cela grâce à la rapidité d'esprit de Molly. Où Wolfou va-t-il nager?
Oh non! Wolfou sauve un bébé requin. Qu'est-ce que c'est? Allez, on y va! Maman, maman! Yeah! Il s'avère que c'est le docteur Ref. Qu'adviendra-t-il alors de... La maman requin a demandé de l'aide à Wolfou. Voyons voir que peut faire Wolfou. Attaquez! Le pistolet de Wolfou a rabé les requins à la normale. Attention, Wolfou! Les requins du Dr. Rev sont trop nombreux. Maman! Non! Ce n'est pas le moment de se lamenter. Continuez à vous battre, Wolfou! Wolfou a un moyen. Hurrah! La puissance du pistolet a été augmentée. Bonjour! Maman! Merci! Faire une cabane avec papa. Wolfou peint avec beaucoup de passion. Wolfou! Eh bien, c'est une cabane dans un arbre. Hé, nous pouvons le faire ensemble. Vraiment? Oui. Wolfou, j'ai besoin d'un marteau. Peux-tu... Wolfou n'a pas encore appris à donner un coup de marteau à papa. Arrête, tu t'es trompé. Wolfou, regarde. Oui. Oh non. De plus, les outils peuvent tomber et te blesser. Oui. Je te montrerai le bon chemin. Wow, c'est donc la façon correcte dont Papa Wolf l'a raconté. Papa. Que va faire Wolfou? Stop! Je voulais juste aider à peindre cette maison. Oui, mais on ne peut pas gravir les échelons comme ça.
Wolfou, descends ici. Oh non! Laisse-moi terminer. Attends, papa. Étranger à l'hôpital. Le voleur Rhino court pour échapper au policier Bu. Oh non, il s'avère que le voleur se cachait ici. Tu me manques moins grâce au masque que t'as fait. Le masque est incroyable. Est-ce que tu veux aller te promener? Fais appel aux adultes s'il y a quoi que ce soit, d'accord? Oh non, Casper a laissé tomber le masque. Avez-vous vu un homme en uniforme de prisonnier? Ce n'est pas bon. Le voleur a piégé le policier Bu grâce au masque. Docteur Cat? Vous n'allez pas vous promener? Je suis un peu fatiguée. Où sont Madame Cat et Casper? Oh, j'ai besoin de sommeil. C'est tellement tendu, Wolfou ne sait toujours pas de qui il s'occupe vraiment. Vous n'êtes pas le Docteur Cat. Papa, quelqu'un se fait passer pour le Docteur Cat. Ouf, Wolfou se souvient des conseils du Professeur Cat. C'est un imposteur. Vous avez bien fait d'alerter tout le monde. Si aucun adulte n'est présent, appelez le 911. Maman Wolf? Quoi? Elle ne peut pas être rapide comme ça. Papa, pourquoi m'as-tu piégé? Wolfou! Wolfou, ça va? Maman! Maman! Je suis là, je suis là. Voyons voir ce qui se passe avec Wolfou ici, hein? Hourra! Ma mère est enceinte, elle n'a pas pu venir. Et la tienne? Wow, la maman de Buffo est vraiment cool. Oh oui, c'est vrai. Maman, je ne veux pas participer à l'événement sportif de demain. Ne t'inquiète pas, j'irai avec toi demain. Génial! Je t'aime. Maman Wolf a-t-elle vraiment l'intention de partir avec Wolfou? Maman, maman. Le pain est complètement brûlé. Salut les gars. Oh.
Qu'est-ce qui ne va pas? Allons-y! Allons-y! Oh! Maman, pourquoi ne cours-tu pas? Allons-y! Allons-y! Allez, allez, allez! You must! Incroyable! Une femme enceinte peut faire cela! Papa? Pourquoi m'as-tu piégé? Wolfo, je suis désolé, mon fils. Oh non, maman Wolf a dû se rendre à l'hôpital en pleine nuit. Je suis si heureux, papa. Je t'aime tellement. N'est-ce pas le voleur rhinocéros? Le méchant chauffeur de bus. N'abandonnez pas! Nous devons être prêts pour le concours de course! Montez, les enfants! Vous ne voulez pas être en retard, n'est-ce pas? Je vous conduis gratuitement! Le voleur rhinocéros est si bien déguisé que ni Wolfo ni Pando n'ont pu le reconnaître. Au final, qu'arrivera-t-il à ces trois passagers malchanceux? Vous pouvez descendre ici, monsieur Crocodile. Ce n'est pas encore mon arrêt. Oh non! C'est vrai, Wolfou a fait preuve d'une grande vivacité d'esprit en décidant d'appeler le policier Bu. Heureusement, tu as été secouru à temps. Vous devez vous méfier des étrangers et des situations suspectes. On a compris.